Hey, salut tout le monde, c'est quoi, moi, Angus, et bienvenue aujourd'hui sur F1 2014. Alors, je vais essayer de faire plusieurs vidéos. Je vais vous tenir au courant quand même. Voilà, je vais essayer d'en faire quelques-unes aujourd'hui pour que vous ayez de quoi faire pour les quelques jours là. Je ne serai pas là, mais bon, malheureusement, je ne sais pas du tout quand est-ce que je serai de retour. Hein, il faut carrément que ma connexion soit recréée. Enfin, il faut créer la ligne téléphonique, il faut créer la connexion. Enfin, bref, il y a plein de choses à faire. Donc à mon avis, j'aurai pas internet avant un bon bout de temps, mais c'est pas grave, je vais essayer de vous faire quelques vidéos pour vous faire patienter, tout simplement, voilà. Vous en aurez peut-être pas une par jour, du coup, mais bon, voilà, histoire de dire que vous aurez quelques petites choses et vous penserez à moi. Bref, pour aujourd'hui, en tout cas, c'est la carrière chez Toro Rosso. Voilà, donc 10e au premier Grand Prix, 9e pour mon collègue Vergne. Et on est parti pour le prochain Grand Prix. Hop! Allez! En espérant faire aussi bien là, en tout cas au niveau des qualifs. Puis 10e, ouais, c'est pas mal, même si bon. J'aurais dû faire mieux. Mais bon. Pour un Toro Rosso, c'est quand même pas mal 10e. Sepang International. Ok. On rentre dans la voiture comme d'habitude. Ok, mon chat qui me casse les couilles. Bref, la voiture, allez. On est comme d'habitude, hein, le volant, je vais pas le dire à chaque fois. Hein. Voilà. Alors, voyons voir quelque chose ici. Grand Prix, quand on a c'est de Malaisie. Ouais, c'est le fameux circuit, apparemment, il y a pas mal de monde. Pas mal de monde. Ah oui, il y a pas mal d'épingles. Pas mal d'épingles, hein, pas mal d'épingles. Ça va pas être sympa, à mon avis. Bref. Attendez un instant. Qu'est-ce que t'as, petit chat? Bon, c'est pas grave, excusez-moi. Allez, on est parti. Je vous montre donc un ou deux tours comme ça. Et ensuite, on se retrouvera pour la course. Bah écoutez, donc 1.52. Ok, ok, bah écoutez, on va aller voir directement les...
Retourner, oui, rentrer au garage, tout à fait. Voilà, donc on se retrouve tout de suite pour la course en direct de Sepang en Malaisie. A tout de suite. Et on se retrouve pour la course sur le circuit de Sepang. Allez. La ceinture, oui, parce qu'on va le zapper, parce qu'on sait, on sait, on sait. Voilà. Alors, ma stratégie de course au niveau 7, parce que bon, tout ça va être pour 6, je pense. Enfin, beaucoup en tout cas. Et moi. Ouais, non, je vais faire ça, ouais, tour 7. Les conditions météo 26, 25, 23, il n'y a aucune pluie, c'est parfait pour la course. Élimination 26, c'est la qualification. Voilà, et là c'est parti. On y go. Le deuxième grand prix de la saison, on va bientôt démarrer. Un petit coup d'eau avant la course. Pole position pour Ricciardo sur sa Red Bull. Nous sommes en 5ème position, 3ème ligne. Jorik Vierne n'est que 12ème. Allez! T'as marqué des points dans la dernière course, continue comme ça. Il y aura donc une DRS bientôt. Je vous ai à moi, vous les voyez, ça ne se carte pas. Je suis rapidement les trois, je mets en virage. En virage, je les ai en virage. Il faut savoir si on va écouter.
Ricardo est en la pole position qui est deuxième actuellement. Rosberg est troisième. Chasse troisième de la course, oui, c'est par rapport à qualif. C'est vrai que je ne devrais pas faire des grosses qualifs, hein, parce que du coup ça va être ça. Je pense que ça va être quoi. Deux tours en instant.
monde, je peux le dire. Car ça, j'aurais été né dans un grand prix pendant quelques tours. Tu as une seconde d'avance sur la voiture derrière, fais attention. Rosberg est passé, j'ai le DRS, on tourne tout d'abord. Rosberg est passé. Comme tout ça, le restaurant là, oui. La voiture derrière a un aileron avant légèrement endommagé. Aileron avant endommagé. La voiture derrière utilise des pneus moins usés que les nôtres, fais attention. En tête, à quoi moins plus. Les pneus et des freins sont à température optimale.
l'instant. Intérieur magique. Thank you.
podium. Deuxième tour, attention là, on approche de la fin. Je ne sais pas si je peux le bien troisième pour l'instant. Très satisfait, le troisième. Cinquième et qualif. Troisième.
jamais ce virage. Rosberg vainqueur de ce Grand Prix Malaisie. Deuxième Alonso. Troisième Juan Oengu. Quatrième Ricardo. Voilà. C'était chaud. Waouh waouh waouh. Objectif atteint en plus. Mon coéquipier 14e. Hein. Et ma 3e, le podium, pourquoi? On a vu que c'est mal. Bravo! Voilà une troisième place amplement méritée. Merci. Félicitations pour tes 15 points. Merci. Je trouve que c'est mérité aussi. Je trouve. 15 points, ça fait plaisir. Tu es passé à la 6e position du championnat des pilotes. Eh oui, 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 qui est quand même là, les Red Bull les, qui m'entourent, on dirait presque c'est une écurie. Vergne 12e toujours, Rosberg 1er. Il n'y a pas les constructeurs, non, on s'en fout tout ça. Ah, yes! Ah oui, on peut être content. Bon, salut la foule. On peut être satisfait de la course, franchement, une très belle course, je trouve. Oengus monte sur le podium! Yes! Magnifique victoire pour Rosberg, c'est vrai. Ping, je passe à pression de carrière 0, prochain niveau, okay. Je passe un petit peu de rang supérieur, c'est parfait. Deux petits points pour lui, moi 16 points. Et voilà, et bien écoutez, sur ce, on va se laisser. On va aller voir, je donne des messages comme d'habitude. Premier point de DM cette année, et oui, l'usure des pneus est mauvaise, ouais, bah, c'est clair, ça j'ai bien vu. Introduction au défi des coéquipiers, ah excellent. Info de course pour Bahreïm. Et développement de la voiture, approche prudente. On vient de parler avec Jean-Yves Verne à propos de l'approche de R&D que nous devrions adopter. Il a été décidé que nous choisirons une approche prudente pour une nouvelle pièce. Tu ne recevras donc pas très souvent, mais normalement, elle devrait être fiable. Nous en reparlerons plus tard dans la saison. Ok. Sur ce, les amis, on va se laisser. Merci à vous de m'avoir suivi. On se retrouve une prochaine, le week-end prochain, peut-être pas. Vu que vous savez que je suis en plein déménagement, donc pas d'internet, tout ça. Donc je ne sais pas quand, mais en tout cas, prochainement pour la suite des aventures dans F1 2014. Avec quoi, Mungus pilote chez Toro Rosso. Allez, ciao tout le monde.